Bonjour, bonjour à tous, salut, c'est le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planète Zoo pour la suite de notre aventure sur ce jeu. Nous sommes toujours en live Twitch, bonjour à Yacine, Dampiche, Pixounou, Louvécréa, Pichy, Pierrick, Knocandili, Furious, Jumper et les autres personnes qui sont sur le chat hors chat. Nous sommes lancés dans une aventure extraordinaire qui est la construction d'un tunnel sous-marin fait dans la vidéo précédente. Si vous ne savez pas comment on fait, allez voir la vidéo précédente tout simplement, parce que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Oula, on descend. Puisque nous... Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous montre. Hein, comme ça, vous vous dites, oh, bah, j'aimerais bien faire pareil. Comment on fait? Bah, vidéo précédente. Très long, 55 minutes, je viens de vérifier. Mais on a réussi. Et les gens passent, tu vois. Ils sont là. Bon, c'est nous qui les avons forcés à venir là. Mais les gens peuvent se balader dedans. On a une vue d'eau, là, à cet endroit-là. Parce que bon, voilà. Mais tout va bien. Le système est fonctionnel. Les gens sont en apnée. Ils sont au courant, tout va bien. Après, non, c'est bon. Après, c'est bon. L'objectif maintenant va être d'installer les crocos à l'intérieur et de commencer à décorer l'ensemble pour faire un zoo. Comment ça s'appelle? Un enclos plutôt. Bah, plutôt joli. 55 minutes avec une heure de test avant, hors vidéo. Non, bah, il y a plus d'une heure parce que j'ai testé ce matin, moi, à faire les tunnels. Il y a bien plus d'une heure de mon côté. Mais au moins, ça marche. Le gars très calé. Comment ça? Comment ça? Bon alors, on met la porte, on ferme ici déjà, habitat, clôture, on va changer les murs, on va pas laisser ça aussi, mais pour l'instant, j'avoue qu'on a d'autres choses à faire. Pour l'instant, on a d'autres choses à faire, on va mettre l'entrée de l'habitat, on va le mettre par ici, l'entrée de l'habitat. On va mettre l'entrée de l'habitat là. Ah, merde. Tu vois, l'eau est gélante en vrai. Hein. Dans tous les sens. Hein. Tu veux pas juste me mettre dans ce sens là? Mais pourquoi je peux pas... Tu vas pas me faire prendre la route à cet endroit là? Attends. Je vais changer le mur. Il est peut-être un peu trop grand. Peut-être que du coup je peux pas avoir un angle optimal. Parce que la porte, j'aimerais bien la mettre là. Mais toi, dans l'autre sens. C'est bon, là. Si je prends la route, là. Ah non, mais tu vois, elle se met dans ce sens-là. Mais on s'en fout de la route dans ce sens-là. Pourquoi tu te mets pas dans l'autre sens? Clôture. En plus, la rotation veut pas se faire. Tu vas m'obliger à la mettre là? Vraiment? Vraiment? Tu vas nous saouler là? Ah non, je sais peut-être pourquoi. Mais le ailleurs pour que le soigneur puisse y accéder et remettre la nourriture. Ah, bien vu! Bien vu! On va mettre ici du coup. On va mettre ici. Très très bien vu ça. Ça m'arrange pas parce que je voulais en fait mettre ma cabane de soigneur à proximité de l'enclos dragon de Kobolo. Mais bien vu. Pour commencer, on va mettre ici. Ici, on mettra rien à manger, faudra y penser. Parce que sinon, on aura accès à rien. Ah ouais. Mais très très bien vu ça. Très 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 bien vu. On va faire simple. On va faire ça. Et ça, ce sera à retravailler de mon côté. Ça, je retravaillerai ça de mon côté. Mais au moins, l'enclos est défini et c'est fait. Je crois qu'il verra pas le message. Comment ? Tu devrais mettre la porte sur une zone avec plus de terre, ça éviterait que les crocs soient livrés sur une petite bande de terre et qu'ils soient bloqués. Non mais complètement, complètement, complètement d'accord. Là on est bon, ça c'est considéré donc comme un enclos, enfin comme un habitat, hein, bon enclos habitat. Il nous reste à faire la route ici, mais bon on peut le faire une fois que les crocos seront mis, ça c'est pas gênant. Et on va tout de suite mettre... Non, on va amener les crocos. On est parti, on amène les crocos, comme ça on va savoir quel... type de roche ils ont besoin. Et on pourra mettre de la roche là-bas et fermer. Alors, crocodile marin, tac, transféré ici. Le prochain, en espérant qu'ils se reproduisent. Hein. Parce que s'ils se reproduisent pas, on est un peu déçus. Hein. C'est parti. C'est parti. Play. Et on n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Fais attention, c'est possible que les crocos aient besoin d'une plus grande surface de terre. Oh putain, mais ce serait tellement... Non, ce serait pas galère. On aurait juste à casser là et à grandir ici. C'est pas gênant. Ce serait pas gênant. On verra.
Ce que je voulais faire, c'était ajouter dans la zone de travail, Asie, cet enclos. Tac, très bien. Ça, c'est fait. On n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Recherche mécanique terminée. Les détritus, je m'en suis pas occupé, mais c'est pas grave. Ok, on a tout ce qu'il faut en attraction. On a commencé à améliorer l'électricité. On a amélioré la thème 1 aussi. Excellent. On est plutôt content. Toi, tu vas partir sur ça. Mais toi, c'est très bien. Mais en fait, est-ce que tu peux arrêter de t'afficher, toi ? Et on s'en fout de ça. Est-ce que c'est pas chiant d'avoir le message qui s'affiche, là ? Je vais sauvegarder, je vais relancer. Enfin, je vais relancer juste sur le menu principal. Fais attention, la route vers les vitres aussi. Ouais, on va s'occuper de ça après. On va s'occuper de ça. Tu peux reboucher aussi le tunnel et agrandir l'enclos pour plus d'herbe si besoin. Ouais, non, mais complètement. Complètement. Complètement, complètement. Reprendre. Là, maintenant, le plus chiant, on va dire, c'était de faire cette histoire de tunnel sous-marin, puisque le jeu n'est pas prévu pour. Ça, c'est le plus chiant. Maintenant, le reste, ça va être juste de l'enclos de base, donc on aura juste à optimiser. Du moment qu'on n'enlève pas l'eau, tout va bien. En tout cas, nos crocos arrivent. Attention, les voilà, fiers et vaillants comme des soldats. L'un sur l'autre, prêts à se reproduire instantanément. Est-ce que vous pouvez bouger, déjà ? Voilà, histoire qu'on puisse zoomer sur l'un. Oh la vache, le mâle est clairement plus grand que la femelle. Oh, regarde, je zoome. Je zoome. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est beau ! J'aime bien. J'aime bien. Ils vont se barrer. Non, non. Ils vont pas se barrer, t'inquiète, on va faire en pause. Alors, est-ce que au niveau du... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le mec, il fait un enclos comme ça, et il fait parfait. Fuite de croco imminente. Mais non, pas de soucis. Pas de soucis. On va fermer, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va regarder où ils ont accès. Tac, ils ont accès. Oh non, ils ont pas accès là. Ils ont pas accès là, quoi. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Putain, ça aurait été parfait ! Est-ce qu'on peut le creuser ? On peut peut-être le creuser. On va le creuser. C'est pas dans l'eau, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas creuser. Play. J'ai envie de te dire, pour que les crocos, hop, ils arrivent là et qu'ils traversent ici, il y en a pour 10 minutes. Hein. Donc, pas de soucis. Bon, ils ont accès un tout petit peu, quoi. Ah, la déception. Ripido. Aplani. Ouais, je vais aplanir, mais c'est ce que j'allais faire. Mais de toute façon, je peux pas creuser plus, donc l'aplanissement ne se fera pas non plus beaucoup plus, quoi. Et le problème... Alors, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous allez me dire, bah, enlève l'eau et règle le problème. Mais le problème, c'est que si j'enlève l'eau, derrière, je peux plus la mettre. Parce que on a fait un glitch ici, pour permettre de faire ce tunnel. Et si on enlève l'eau, le tunnel ne se refera pas parce que tu vois là c'est pas bouché, hein, mais l'eau ne s'écoule pas parce que glitch. Après c'est à nous de gérer pour faire en sorte que ça y a pas ce problème là. Mais c'est de l'optimisation derrière. Quoi. Ça c'est pas gênant. Alors. Ah bah voilà. Bah c'est bon. Non mais on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus. Tout va bien. Alors de quoi vous avez besoin ? Optimisation, il y a rien du tout mais bon, ça, on va voir après. Au niveau de la terre, herbe longue et tout. Parfait, quoi. On va pouvoir ajouter un peu de sable, etc. Ça, c'est pas... Bon, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant. 893 mètres carrés de zone terrestre sur 260 nécessaires. On a 2000 mètres carrés d'eau et on en a besoin que 300. C'est très, très grand. C'est très, très grand. Sable. Sable. On est parti. Où est-ce qu'on met du sable ? Où est-ce qu'on met du sable ? On pourrait mettre un peu de sable... On pourrait mettre du sable ici. Sur l'îlot, à la limite. Sur l'îlot, c'est intéressant aussi, en vrai. Hein. Non, un îlot... Non, pas de sable sur l'îlot. On met juste un peu de sable ici. J'en ai peut-être mis trop, même. Si je mets du brut, là. Ouais. Comme ça. J'ai pas vu. Est-ce qu'ils vont là-bas ou ? Ouais, ils vont là-bas ou ? Très bien. Très bien, ça.
Ils peuvent fuir. Ouais, mais vous inquiétez pas, stressez pas. Ne stressez pas sur les fuites, l'enclos n'est pas fini. Pas d'inquiétude. L'avantage, c'est qu'ils peuvent pas passer par ici. Ça, c'est positif. Non, les fuites, vous inquiétez pas. Non, je vais régler le problème. On a fait avec les tortues, on a mis... vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ici, je vais peut-être pas mettre d'herbe longue ici. Je vais mettre de l'herbe courte. Pourquoi ? Parce que j'en ai. Juste sur ça. Comme ça, quand ils arrivent, c'est joli. Ici, j'ai même envie d'accidenter un petit peu plus le terrain. Je vous le dis très sincèrement. Pas forcément une intensité aussi élevée, mais... Ils sautent pas, de façon, les crocos. Oh, c'est pas si mal, ça. C'est pas si mal, ça, en vrai. Si je creuse ici, là. Oh, c'est pas si mal, ça. J'aime bien, ça. Je vais aplanir, là. Moins grand, de préférence. Plus grand, c'est possible. Mais pourquoi c'est un aplanissement toujours de travers? Parce que tu le fais sur du sol de travers. Ah! C'est bien vu. Comme ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, on aime bien, ça, déjà. Du sable sur les bords pour effet plage. Salut, Pixounoub. Problème de fuite, prenez des couches. Quel humour. Du sable ici? Après, on peut limiter l'intensité aussi. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à mettre toujours du sable en intensité 100, mais... Ah, quitte à en mettre, je t'avoue que j'ai envie d'augmenter l'intensité du coup. On va faire ça comme ça. Par contre, les hautes herbes en intensité faible, ça peut être extrêmement intéressant pour le coup. Je vais voir ce que ça fait. Oh, si tu restes appuyé, ça en met beaucoup quoi. Oh, ok. Au niveau de la terre, on est bon. Bah pour le reste, j'ai envie de dire, on n'est pas si mal. Moi, ça me plaît. On n'a plus qu'à mettre les rochers. Après, si c'est qu'une question de texture de terrain, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut biome, Océanie, Asie et aquatique tropicale. En avant. Service, pas du tout. Nature. Biome, aquatique et tropicale. En avant. Rocher. C'est parti, on va fermer le truc. Mets-leur à manger. Pas de soucis. Hey, patient. Nous sommes pour l'instant sur la déco. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Vous m'avez jamais vu construire des enclos? Je fonctionne toujours de la même manière. On s'occupe de la déco avant de s'occuper du reste. Pourquoi? J'en sais rien. Je suis pas trop fan. Après, c'est le plus gros, quoi. Ah non, celui-là, il est bien, celui-là. Après, un gros, c'est chiant aussi. Non, j'aime pas les gros. T'es pas mal toi. Toi je vais te prendre. Je vais prendre celui-là. Je vais le mettre au fond là. Je vais le mettre au fond ici. Tac. Alerte sauvegarde. Sauvegarde! J'ai rien fait, mais effectivement. Sauvegarde parce qu'apparemment il y a des crashs en ce moment. Donc on fait sécurité. Nature. C'est très grand ça. C'est beaucoup trop grand. C'est trop grand aussi ça. C'est beaucoup trop grand aussi ça. Ça c'est trop plat. On va partir sur ça. Ah non, c'est pas ce que je pensais. Celui-là. Ah, plus grand. Non, y a pas. Ouais. On va partir sur ça. Alors. X. Rotation. Viens par ici. Tac. 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 On peut le surélever un petit peu comme ça.
comme ça. On va revenir comme ça. Comme ça. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas de fuite. Vous vous inquiétiez. Mais pas de soucis. Pas de soucis. L'objectif, c'est que ce soit pas... tu vois, que tu te dises pas, c'est toujours le même au même endroit. Donc si tu changes régulièrement un petit peu de position, un petit peu de profondeur et autres, ça donne un effet plutôt sympa. Ce qui fait que derrière, on pourra ajouter un effet d'eau de courant. Je vais me mettre comme ça. Un effet d'eau de courant, ici, là. Tu vois? Est-ce que c'est pas bien, ça? C'est un menhir, le truc. Bah non! Après, on ajoutera des plantes et tout. Non, mais attendez. En vrai, quand il choisit rocher, on dirait une femme qui fait du shopping. Ah, il faut que ça plaise, hein. Ah bah ça, ça a pas disparu, quoi. Maintenant, est-ce qu'il fuit? Ah bah, il fait moins le malin, le pépère! Bah forcément, tu vas pas escalader le rocher. Pas de fuite. Tout va bien. Maintenant, on va mettre des arbres. Maintenant, on va mettre des arbres. Ah bah non, on peut continuer les rochers. On va mettre des rochers. Un peu de rochers. Des rochers, on peut en mettre... J'en mettrais bien des petits ici, là. Je t'avoue que... Je t'avoue que je suis motivé. Tac. Tac. Ça. Oula! Ils sont les tout petits. Faut pas que je cache la vue de là-bas au bout parce que le... quand ils seront là, les gens, ils pourront potentiellement les voir. Ça, c'est pas si mal. Ça, c'est pas si mal. Il a un petit géranium. Après, il sauvegarde au cas où. Non, mais... Sauvegarde! Sauvegarde. Non, mais on assure. Non, mais vous avez raison. Si vraiment il y a des problèmes. Moi, j'en ai pas encore eu, mais si vraiment il y a des problèmes de crash, vaut mieux assurer. Ensuite, on peut ajouter de la roche. Faudra penser à en mettre sous l'eau aussi. Hein. Parce que sous l'eau, on sait pas si les gens vont y aller, mais en tout cas, s'ils y vont, il faut qu'il y ait quelque chose à regarder. Donc, il va falloir commencer à penser à décorer sous l'eau. Ça. C'est pas mal. Un petit cumul de rochers. Non mais on aime bien, on aime bien. Moi c'est le genre de truc qui me plaît moi. Le cumul de rochers. Parce que si t'en mets qu'un à un endroit, bon ça fait bizarre, mais si t'en mets plusieurs, ça fait sympa. Il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on leur mettrait pas? Ah ouais. Alors là je vais tenter un truc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais on va leur mettre une plateforme. Est-ce qu'ils y auront accès? J'en sais rien. Mais on leur met une plateforme. Comme ça, ils pourront venir se mettre là et puis hop, se glisser, glisser sur le côté pour tomber dans l'eau. Ah mais il faut penser à eux, hein. Je vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de s'amuser. Moi, je vous le dis. Ça. On va aller en dessous. Comme ça. Merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue, Liatel. Bienvenue à toi. Je suis changé. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, remarquez. Pour ce que ça change. Play. Hop, est-ce que vous y allez? Ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller, à peu près quoi. À peu près. C'est suffisant quoi. N'oublie pas la bouffe. Ouais, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si Roy est motivé, c'est que tout va bien. Ouais, ouais, ouais. J'ai les plans, pas du tout. Mais on fait semblant d'en avoir. Comme ça, on a l'impression qu'on sait ce qu'on fait.
C'est tout ce qui compte. Mettre ça là. On peut mettre ça là. J'aimerais ajouter un... Ouais, pourquoi pas ça. Pourquoi pas ça. Comme ça. Comme ça. Bon, je vais dire que pour les rochers, pour l'instant, c'est bon. On va mettre des arbres. Si tout va bien, il y a Juvamine. un planier un peu vers les plateformes, comme ça ils pourront mieux y aller. C'est pas bête. C'est pas bête. J'avais pas pensé. Et du coup, effectivement, si ça peut aider. Oula. C'est toujours très grand. Hein. C'est toujours très petit. Hein. Mais t'as pas un moment où c'est entre les deux, quoi? Où est-ce que vous allez? Ouah, ça va. Ça va. Peut-être qu'il a juste pas envie de se mettre sur un caillou, quoi. Il a le droit aussi, tu vois. Il a le droit de pas vouloir se mettre sur un... Après, si ça se trouve, lui n'y va pas, mais la femelle y va. Bah voilà. Ça va être le coin de la femelle. Parce que la femelle étant plus petite, elle a accès à plus de zones. Des rochers dans l'eau au-dessus de la verrière. Ah oui. Déjà des rochers dans l'eau et surtout cacher la verrière, le tunnel sous-marin. Parce que ça, c'est important pour qu'on ait un effet naturel. On va mettre du rocher classique. Hein. Je vais mettre le même partout. Genre un vieux gros comme ça. Qu'on rentre dans la terre. Un petit peu comme ça. Je sais pas ce que je voulais faire. Remarquez, c'est pas si mal. Comme ça. Et on accumule. Tac, 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 tac. Hein ? On s'embête pas. On s'embête pas. Ça rend bien ? Le fait que le fait de pouvoir voir le bas de la verrière... En même temps, on le voit pas, le bas de la verrière. Mais un tout petit peu plus bas, genre comme ça, ça pourrait être mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Retour en arrière. Comme ça, c'est mieux. Je préfère comme ça. Mais des lampes le long aussi. Ouais, ouais, on va en mettre. Perso, pour les crocos marins, je vais faire une mangrove. Ah ouais, mais quelle belle idée aussi. Quelle belle idée. Je pense que je vais mettre une mangrove au niveau de la rivière. Moi. Ça. Alors l'avantage, c'est que c'est aligné. Donc normalement, il y a un système qui fait que si tu fais ça... Merde. Parce qu'il faut pas que je prenne la verrière. Nombre d'objets. Comment on fait pour faire ça. Hop. Comme ça on peut faire copier. Tac. Quoi? Mais t'es où? Je me suis planté. Attendez, on recommence. Si je fais ça. 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 Ah non, j'ai fait copier, il fallait faire dupliquer. Bah non, mais c'est ça. Dupliquer et déplacement complexe. Voilà. Tac. Comme ça, on gagne du temps. Tac. Tac. Ah merde. Non, mais je te voulais pas, toi. Ah merde, mais je te veux pas, toi, je te dis. Mais pourquoi? Bah. Attendez. Ça. Une fois qu'on aura fait un côté, on est bon, quoi. Mais stop! Non plus. Mais. Oh. Galère. Mais arrête! Il suffit! C'est peut-être parce que je suis pas au bon endroit. Ouais, ouais, d'accord. Parce que je la voyais. Je cliquais sur elle, mais de l'autre côté en fait. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Dupliquer. On est où là? Attendez, parce que là. Voilà, ici. Tac.
Et de l'autre côté, on arrive beaucoup trop loin. Bah pas vraiment en fait. On peut le laisser comme ça. Derrière, on sélectionne tous les cailloux. Comme ça, on pourra le mettre directement de l'autre côté sans avoir à tout reposer un par un. C'est un gain de temps. Attention de ne pas cliquer sur la verrière. On serait déçu. Tac. Dupliquer. Tac. Où est le centre du truc? Ici. Et tu viens te poser là. Et tu te poses comme ça. Ah, très bien. Ah, très bien ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Oh là, bah on voit plus rien. La verrière se sent seule. Là où tu vas rire, c'est pour l'enclos des hippos. 1000 mètres cubes. Ouais, ça va. On a déjà fait dans la bêta, ça nous a pas posé plus de problèmes. Je ferai pas une verrière, mais... Bah voilà. Au moins c'est décoré. Au moins c'est décoré. Sauvegarde, et on va boucher ici. On va boucher de chaque côté. Et comme le trou sera le même, on va faire copier-coller pareil. Alors, nature, toujours sur du tropical aquatique bien évidemment. Et on va boucher un petit peu avec de la roche. Et là, on y va. Et là, faut pas hésiter. Là, là c'est de la destruction massive. Comme ça. Faut pas que ça passe à travers le carreau non plus, tu vois. Ce serait dommage. Ça, c'est trop grand. On va reprendre... C'était lequel? Non, c'était pas celui-là. C'était lequel? C'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. Pour commencer. Nettoie l'eau, elle est dégueulasse. Attendez. Vous brûlez les étapes. On est en train de décorer l'enclos pour l'instant, donc on n'est pas en train de s'occuper de la beauté en elle-même de l'enclos, quoi. Ça. Très bien. Un petit caillou un peu rond. Est-ce que si je te change ton angle, tu peux me boucher une bonne partie du trou ici? Ouais. Comme ça peut-être. Comme ça c'est pas si mal. Juste à rebouger un petit peu ton angle. Oh merde! Bouger un tout petit peu ton angle si ça t'embête pas. Je te mets comme ça. Très bien. Je vais t'emmener de l'autre côté. Je te change de côté du coup. Comme ça. Attends, t'es en train de me dire que ça touche pas là? Ah merde, ça touche pas là. Oh, c'est du détail, hein. Non. Ça rend mieux si les rochers passent au travers d'un vitre. Ah ouais, tu penses? Toi, tu mettrais un rocher qui passe carrément à travers. Genre... attends. Oh, c'est peut-être un peu grand, ça, mais... genre comme ça, quoi. Tu mettrais ça comme ça? Tu crois? Ça fait pas bizarre? Ah, moi, je suis pas contre, hein. C'est un gain de temps énorme, hein. On va faire, on va voir. Si ça peut rendre bien, ça m'arrangera. On gagnera du temps. Je vais te tourner un petit peu. Comme ça? Ça fait plus naturel. Salut le Rex Gamer! Il se galère à poser un caillou. Faut que ça rende bien, quoi. Une fois qu'on aura fait ce côté-là, on est bien. Celui-là, c'est peut-être un tout petit peu trop sorti, quoi. Peut-être partir plus sur ça.
Bah écoute. Et sur le rocher à travers la vitre. Salut Anthony. Bah, t'as raté la construction de ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire un tunnel sous-marin. On s'est un peu galéré, mais on a réussi. Donc c'est plutôt cool. Après, bon, si ça vous embête pas, moi je fais ça. Hein. Là, il n'y a plus de fuite. Vous allez me dire, là, il y en a une. Ouais, bon, si tu veux. Si tu veux, on met juste un caillou, comme ça. Là, il n'y a plus de fuite. Ah, merde. Ah non. Là, il n'y a plus de fuite. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fuite nulle part. Oui, le roc qui traverse la terre, c'est naturel. Le verre, pardon. Bah, je trouve pas, mais... Mais de la terre, sinon... Non, on peut pas. C'est le problème du glitch, entre guillemets. C'est que on peut pas recouvrir de terre, puisque normalement, on n'est pas censé y toucher à cet endroit-là. Quand on est d'ici, là. Quand on est d'ici, on voit rien, parce que l'eau est pas propre. Pour l'instant, en tout cas. Mais en même temps, ça fait une déco, hein. Pour la vue, non mais si, ça va, je vais rester comme ça. Quand on verra d'ici, ça fera une déco. Non, j'aime bien. Je vais faire une sauvegarde. On va sélectionner tous ces cailloux et les emmener de l'autre côté. Alors. Tac. 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 Impression qu'il m'en manque. Hein. Non. Voilà. Bah écoute, s'il m'en manque pas, j'ai envie de te dire, tant mieux. On traverse l'enclos et on revient de l'autre côté. Et on positionne. C'est surprenant. Ça donne pas le même effet. En même temps, faudrait faire ça à la limite. Qu'est-ce que je fais là? On se pose la question. Comme ça. Et on décale. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. On peut toujours le descendre un petit peu si vraiment ça pose problème. Mais du coup les gens vont... Déjà que les gens passent de justesse, si en plus ils se prennent un caillou sur le haut du crâne, c'est pas forcément la bonne nouvelle. Quoi. Bon, on va faire ça déjà. Et on va juste ajouter un petit caillou ici. Viens là. Je sais pas pourquoi t'es parti là-bas dans le fond, mais viens par ici. Là. Oh, ça fait pas si mal. Oh, ça fait poser sur le truc. Mais j'aime pas. J'aime pas. Un petit, là. Ouais, comme ça. Merci beaucoup, le roi d'Adidou. Bienvenue à toi. Oui, mon petit, c'est un glitch. Même en désactivant les collisions, tu peux pas placer. Ouais, non, mais non, c'est un glitch. C'est un glitch, donc. Pour l'instant, on s'en contente. Le temps que Frontière voit pour nous donner la possibilité de faire ça vraiment. Voilà. Ça. 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 Non! Comme ça. Bon, c'est du détail, mais au moins on sait pourquoi l'eau ne passe pas, quoi. L'eau ne passe pas, pourquoi? Bah parce qu'il y a du rocher. Tu vois, c'est un tunnel creusé, et voilà. Et on est sous l'eau. Très bien, ça c'est fait. Bouh. Oh, le Viking triche. Non. C'est pas vraiment de la triche, hein. Je pense que c'est une option qu'ils vont peut-être ajouter plus tard. Et qui pour l'instant est possible comme ça, quoi.
Bon, ensuite, il faut décorer le sol, le sous-sol. Ça fait un gros caillou. Hein. Faut décorer le fond marin. Alors, décoration du fond marin, pas facile. Les gens vont ajouter ça. Ici. Parce que ça fait bizarre. Le gros bloc comme ça dans le vide. Hein. C'est très moyen. Est-ce que il serait pas intéressant de quand même traiter l'eau là pour décorer le fond marin? Ouais, quand même. On va traiter l'eau. Service ici. Système d'eau. Traitement d'eau. Parce que l'eau est propre. Hein. L'eau est propre. Où est-ce que j'ai mis mon truc là? C'est ici. Ouais, ça m'arrange pas ça. Le traitement de l'eau va être galère à gérer. Bon, je vais faire simple pour l'instant. Je vais faire simple pour l'instant. Je m'occuperai de modifier ça. Je pense que je l'enterrerai le truc. Tac, tac. D'ailleurs, ici, ils sont pas censés y avoir accès. Comme ça. Play. Un tout petit peu. À part les crocos, non. Comment? Lumière. Ouais, attendez. De nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est bon marché. Ça, c'est dingue, ça. Je comprends pas. Les gens se plaignent de ne pas payer assez cher. Je vais monter à 16. 16 et 12. Play. Merci beaucoup, Lurux Tien. Lurux Tien, bienvenue. Salut, Albator. Bon. On va décorer l'extérieur, on va leur mettre à manger, on va mettre play, on va faire en sorte que le système de traitement d'eau dégage la qualité de l'eau, histoire qu'on voit vraiment bien. Et derrière, on décorera le fond de l'enclos. Alors, nature, il nous faut Asie. Pardon, c'est ici. Il nous faut Asie, Océanie. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on met? On est dans un coin Asie, de toute façon. Mais bon, on peut mettre de l'Océanie, c'est pas le genre. Roseau. On peut mettre du roseau, déjà. On peut mettre un peu de roseau. Le roseau, je le mettrais bien ici, tu vois. On est parti, c'est la déco, là. Roseau commun. Ah, c'est pas mal, ça. Une bonne petite touffe de roseau, ici, là. Tac. Déjà, là, il y a quelque chose. Déjà, là, on aime bien. Vous mettriez quel type d'arbre? Des palmiers? Les palmiers pour les crocos, ça m'achète pas. Je mettrais plus. J'aurais plus mis un arbre comme ça, moi. Y'a pas beaucoup, hein. Oh, ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ça. Je vais poser un arbre. On va poser un arbre, je vais en poser un. Déjà, faire en sorte qu'il soit à la bonne hauteur. Je vais en poser un ici, déjà. Comme ça. J'en mets un autre ici. J'en mettrais bien un enterré là. Faudrait y ajouter ou alors à la limite je le déplace. Je le mets là. Non, j'en mets pas. Mais cerisier. Cerisier, j'ai pas vu. Tropical aquatique, il a pas l'air d'être dispo le cerisier. Ce qui, ma foi, est assez logique. On va pas se le cacher. Il y a du bambou. On va mettre du bambou. Les grands arbres de mangrove au fond de l'eau, s'il y a. Oh, très bonne idée, ça. On va tester vite fait. Mangrove. Mangrove. Comme ça, là? Est-ce que c'est pas surprenant d'avoir un arbre dans l'eau? C'est surprenant, un arbre dans l'eau, quand même. Je sais pas. Moi, je l'aurais bien mis là, quoi.
Mais au final, j'ai pas un si grand... Enfin, une rivière... J'ai une rivière un peu trop profonde, en fait. Mais j'aurais bien mis là, quand même. Je vais pas vous le cacher. Est-ce que c'est gênant si ça flotte? Je dois y mettre des rochers en dessous. Si je mets ça. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Tu peux mettre la maison japonaise à 11 000 pour décorer. On verra après. On verra après. Non mais l'idée est intéressante. Sous l'eau du coup. Du coup, et servir d'abri. Ouais, non mais si ça peut être une idée. Dans les rochers, les racines. Ah, tu crois? Genre comme ça. On peut toujours tourner. Hein. Comme ça. Ah ouais, c'est pas si mal ça. Ah ça, c'est pas si mal. Salut ma Excalibiscus. Là, l'arbre il va se noyer et faner en 2 secondes. Heureusement qu'il faut pas gérer la vie des arbres. En même temps, on serait pas sorti quoi. On serait pas sorti. Alors, ensuite. Ensuite, ici, je veux mettre un arbre. Je veux pas mettre... Non, bah, j'allais dire, je veux pas mettre un grand. Bah, je clique sur le plus grand direct. Je veux pas mettre un grand. Par contre, celui-là, potentiellement, peut me plaire. Ou à la limite, un petit pommier. Ah oh, non, je suis pas fan, en fait. Je suis pas fan. Le pommier peut faire buisson, par contre. Ah, je l'ai pas viré, cet arbre-là. Je pensais l'avoir fait. Le pommier peut faire buisson, par contre. C'est pas si mal, ça. Ça, je vais le virer, j'en veux pas. Très bien. Je fais un enclos. Je fais un enclos. Qu'est-ce que j'en... Je fais une sauvegarde. Je fais une sauvegarde. Tu fais quoi? Je suis en train de décorer l'enclos des crocodiles marins. Je sais pas combien de temps on en est pour YouTube. Mais en tout cas, on avance bien. On a réussi à faire un tunnel sous-marin. Qui va rendre plutôt correct, je pense. Je pense. On va espérer que le traitement de l'eau fasse que l'eau soit vraiment bien claire. Faudra voir. Faudra voir. Alors, des bambous. Des bambous, on en met? Des bambous, on peut en mettre. On peut en mettre une petite... un petit peu ici, là. Je serais pas complètement contre l'idée. Un petit peu là. Et un petit peu ici. Plus petit. Plus petit et je le mets là. Sachant que le mur, je vais le changer, je pense. Je vais pas le laisser en brique rouge. Je vais faire ça, pour l'instant. Tu bouches les trous. Comment? Les bambous dans l'eau, si tu les tournes pour faire sortir les tiges. C'est où? Ah merde, j'étais dessus. Ah bah c'est là. Si tu les tournes pour faire sortir les tiges. Comme ça? Là, ça fait quoi? C'est pas... c'est pas si mal. Mais qu'est-ce que t'en fais aussi? Parce que le truc, c'est qu'il faut pas... Bon, là, ça va. Mais il faut pas qu'on le voit d'en dessous, le bambou. Parce que on va voir sous l'eau. Au fond de l'eau. Ah, au fond de l'eau? Je suis où, là? Ah merde, je l'ai posé. Bon, c'est pas grave. On l'enlèvera après. Au fond de l'eau. Du coup, là-bas, je pense. Hein. On voit rien. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit rien du tout, quoi. Monte. Comme ça?
On peut laisser, ça fait pas... C'est pas extraordinaire, mais on peut le laisser. Par contre, lui là-bas, je vais l'enlever. Oh, remarquez. Non, ça va encore, en fait. Ça va encore. Je suis pas fan de celui tout au fond de l'eau, mais là, ça va encore. Si on décore autour, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bambou fontaine. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est intéressant, ça. Soit je fais une genre de forêt de bambou, là, soit je mets un arbre. Cet arbre-là me plaît, quand même. On peut mettre l'arbre. Comme ça. On peut mettre l'arbre comme ça. Et ajouter un petit peu de roseau, à la limite. On met du roseau. En ligne. Non, bah non, pas en ligne. Pas en touffe non plus. Roseau commun. On peut faire ça. Ouais. Par contre, j'ai pas regardé les abris. Ah bah c'est bon. Bon, d'accord, très bien. C'est du lierre à l'envers, ne peut pas imiter des algues. Alors le problème, c'est que je veux pas, mais ça c'est perso, hein, mais je veux pas utiliser de plantes qui ne sont pas dispo pour l'espèce. Bois couillot. Et du coup, c'est purement perso, hein, je veux vraiment qu'ils soient optimisés parfaitement, les enclos, quoi. Ça, j'avais fait laisser le petit truc pour mettre un arbre. Et mettre celui-là, voilà, quoi. Faut voir la vue, genre ici. Elle est correcte. Tu fais quel enclos? Salut, Flav, je suis en train de faire l'enclos crocodile marin. Ici, on voit qu'il manque quelque chose. J'y mettrais bien un arbre. Pas un trop grand. Un petit pommier. Après, je t'avoue que moi, ces arbres-là me plaisent. Hein. Je les trouve tellement stylés. On pourrait même faire déborder un petit peu la racine, quoi. Ça leur fait un point d'ombre. C'est pas ce qu'ils veulent, les crocos, parce que généralement ils veulent chauffer, parce que c'est sans froid. Mais essaye un tronc flottant. Bien vu, ça. Bien vu, on pourrait mettre effectivement un tronc flottant. De toute façon, on va pouvoir mettre de la déco. Un tronc flottant, c'est dans la déco. Rappelez-le-moi. Pour l'instant, on fait la végétation, quoi. On pourrait ajouter d'autres petits trucs ici, c'est vide un petit peu. Si je mets... Si je mets du roseau comme ça. Ah, c'est bizarre, ça. Hein. Le petit truc devant, là, je vais l'enlever, je pense. Hein. Je vais l'enlever, ça. Ça me surprend. C'est bizarre. Il y a un truc qui me déplaît. Nénuphars. Oh, des nénuphars. Voilà une idée intéressante. Par contre, comment tu fais pour le poser sur l'eau, quoi? Faut vraiment le poser toi-même à la main, quoi. Ah, des nénuphars, c'est très très bien, ça. Attends, parce que je voudrais juste avoir vraiment la bonne hauteur. X. Comme ça. Bon, là, on est à la bonne hauteur. Ce qui fait que maintenant, on peut changer parmi tous les nénuphars et en mettre un peu partout. C'est pas mal, ça. Ah ouais, les nénuphars, c'est très très bien. Les nénuphars, c'est très très bien. Le
problème, c'est qu'il faut pas en mettre trop non plus. Là, j'ai l'impression que je commence à trop en mettre. Là. Je vais en mettre un peu là-bas, parce qu'on n'en a pas. Là, c'est correct. T'as réussi ton tunnel sous l'eau. Ouais, j'ai réussi. On a réussi. C'est vrai que j'ai pas changé le titre du live. Mais on a réussi, il est là. Et ça, c'est plutôt cool. On l'a pas encore décoré, mais on y mettra des lumières et autres. Faudra juste voir si les gens l'utilisent naturellement. On sait qu'ils y vont, on les a emmenés de force. Mais il faudra voir s'ils l'utilisent d'eux-mêmes. Ensuite, du roseau commun. On pourrait en mettre un petit peu quelque part. J'aime bien ça. En ligne comme ça, c'est pas mal, je trouve. Et effectivement, il y a les optimisations alimentaires, mais bon, là, on sait qu'ici... De toute façon, les trucs pour manger, on mettra tout là. Parce que sinon, les soigneurs vont pas y aller. Donc, un peu galère. Quoi. Est-ce qu'ici, on mettrait pas quelque chose? Qu'est-ce qu'on a en plante? On a de la fougère et de la locasie. Donc, je mettrais bien encore un peu de bambou, quoi. Bambou d'Inde. C'est grand. Non, je vais pas mettre du bambou. On va mettre du roseau. Le roseau, c'est beau. Ah, c'est parfait comme ça. En petite touffe comme ça, c'est parfait en fait. C'est bien ça. J'en mettrais peut-être même un ici en vrai. Mais penché. Alors qu'est-ce qu'on pense? C'est pas mal hein. C'est pas mal. Regarde si tu l'auras pas surchargé en plante vu qu'ils sont un seuil limite. Ah ouais, c'est pas faux. Je vais mettre play. Hop. Abri. Plante. Ah oui, putain. J'ai trop de rochers, je pense. Les rochers du tunnel me plombent le truc, quoi. Ah merde! Ça m'arrange pas. Parce que j'étais assez satisfait de ce qu'on avait fait, quand même. On peut enlever certains trucs. On peut enlever, genre, un nénuphar ici. Je trouvais qu'il y en avait trop. Je peux enlever celui-là. On peut enlever un nénuphar ici. On peut enlever ça. C'est là où on voit que c'était beau, quoi. Parce que du coup, ça manque. Ah oh merde, mais attends, mais je suis quand même assez satisfait de ce que j'ai fait, là. Ça m'embête de tout enlever. C'était pas mal, hein. De toute façon, c'est du rocher qu'il faut que j'enlève. C'est le rocher qui prend beaucoup de place. Celui-là est pas si mal, au final. Si je le décale. Comme ça. Ça va pas trop vite, quoi. Fais voir un petit peu. Ah non, pardon, c'est pas le bon. Oh, j'en ai beaucoup trop, quoi. Mais plus de cailloux. Non, mais j'en ai trop, en fait. Merci beaucoup pour l'abonnement, 10K. Bienvenue à toi. J'ai beaucoup trop de cailloux, en fait. Les cailloux qui sont en déco dans le tunnel. Ici. C'est énorme, tout ce que j'ai. Donc, soit je les laisse. Parce qu'après, j'ai encore le fond de l'eau à décorer. Hein. Oh. Je pense que je vais les virer. Ou alors, j'en virerai un sur deux. 1 sur 3. 2 sur 3. Je vais en enlever. Je vais enlever genre celui-là. Celui-là, j'enlève. Au pire, on mettra un banc, là. On mettra des bancs. Ouais, on mettra des bancs. On va enlever. Les bancs, on va pas forcément les mettre en face. On va les mettre en décalé d'un. J'espère que ça va suffire. J'espère que ça va suffire.
Ça n'a rien changé? T'es sérieux là? 75%? Attends, mais je l'ai armé moi si c'est ça. On est d'accord que j'ai un surplus. Bon, on va mettre à manger. On va mettre à manger, comme ça on va pouvoir mettre play, on va les laisser vivre un petit peu et on va voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici déjà? Quantité d'étritus, bon ça c'est le zoo, on s'en fout. Alors, nature, pas du tout. Habitat, crocodile. Comment? Cro. Mangeoire. Crocodile marin. De toute façon on est obligé de mettre ici, hein. Donc les gens il faut qu'ils... faut qu'ils puissent les remplir, donc on en met un là. On va mettre une mangeoire un peu plus petite ici. Pour qu'ils viennent, tu vois, à la limite. Après, s'ils l'utilisent pas, bon, ils l'utiliseront pas, mais... comme ça. On va mettre de l'eau. Là. Comme ça. Et... il se glisse là? Ouais, il passe ici. Je vais en mettre de l'eau ici. Ouais, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Pardon. De l'arrosage. L'arrosage? De l'arrosage. Arrosage, on va en mettre un ici. On va en mettre un ici. Là. On va mettre un grattoir ici. Histoire qu'il vienne s'y gratter. Je vais même le mettre dans le trou. Au pire, le trou, on dit que c'est là où il pond. Allez, pourquoi pas. Il y a un petit trou, c'est là, c'est le nid. On va mettre ça là. On va en mettre un ici parce que je vais mettre un carreau. Enfin, des vitres en tout cas. Comme ça. Et au niveau optimisation, on est plutôt correct. Par contre, les crocos vont sous l'eau. Est-ce qu'ils vont pas traverser le glitch et aller les bouffer les gens? Vu que les verrières, ça passe à travers. Bah écoute, ça on verra. Ça on verra. Si on a un problème. Mais il n'y a pas de fuite, donc on verra. On verra. On met play un petit peu. Ici, l'optimisation est correcte, mais bon, c'est parce qu'on manque de trucs. La densité de plantes est pas suffisante, c'est étonnant ça. Alors qu'on est à 75%, il faudrait avoir moins. J'avoue, je comprends pas trop. On peut enlever un arbre au pire. Est-ce qu'on n'enlèverait pas un arbre? Lequel sert à rien? Putain, mais je les aime bien, j'aime bien cet enclos. On peut enlever celui-là, oh, je l'aime bien. On peut enlever celui-là, à la limite. On va voir. On va enlever cet arbre. Ah non, il y avait trop de plantes. Il y avait une densité de plantes un peu trop importante. L'arbre nous a fait gagner quand même pas mal. Il y a trop d'arbres. Ils veulent pas d'arbres. Ils veulent pas d'arbres. N'oublie pas mon idée, Roy. Enfin, il va falloir répéter. T'es un Discord? Ouais, il suffit de faire point d'exclamation Discord et il sera affiché. Ils veulent que j'enlève encore un arbre? Putain, mais j'ai pas envie. Si j'enlève ce grand bout là. 64 mètres cubes. Carré, pardon. Celui-là il fait combien? 36. Pour enlever combien ça fait ça? 4 mètres carrés. Il y a un rocher là? Ah, c'est celui-là là. Après, est-ce qu'ils s'en plaignent? Plante 100%, ils s'en plaignent pas, hein. On n'est pas obligé de l'enlever ça, hein. L'occupation. Ah, mais c'est vrai.
C'est beau. C'est beau. Mettre la maison pour servir d'abri. Bah du coup je vais éviter parce que on est déjà en occupation surélevée. Et l'abri en plus ils en ont pas besoin. Donc bon. En tout cas l'eau a l'impression qu'elle est un tout petit peu plus claire. Non? L'eau est plus claire. Ah bah voilà. Surpopulation chez les zèbres. C'est pas grave. Regarde, on voit les gens ici. Excellent. Bon, il faut qu'on fasse ça. Et là, waouh, regarde, au-dessus. Oh, les crocos. C'est pas mal. On est peut-être un peu profond. On recommence. Ça va être chaud. Ça va être chaud de recommencer. Pense à la sortie du tunnel, la route vers les vitres et les lumières. Ouais, ouais, t'inquiète. Génial, idée du tunnel sous l'eau. Ah bah merci beaucoup, Nessendil. J'avoue qu'on n'est pas mécontent. On n'est pas mécontent. Ça a été galère, mais c'est bien passé. C'est bien passé. Le seul truc, c'est que du coup, j'ai dû enlever des arbres. Ça, j'en suis déçu. Hein. Il y a trop de plantes, quoi. On peut enlever un petit peu de roseaux, mais ça enlève pas grand-chose, en vrai. J'ai enlevé celui-là, à la limite, si tu veux. Je peux t'enlever celui-là aussi. C'est quand même dingue, quoi. Là, qui se plaignent que dans la nature, il y a trop d'arbres. Qu'est-ce que c'est que ces animaux, quoi. Après, ici, on peut enlever des cailloux aussi. Hein. On peut en enlever un. Ça va ? 59. On s'approche tout doucement, hein, en enlevant certains trucs. Bon. On va faire une pause pour YouTube. Salut Gecko, merci beaucoup. Mettre la maison pour servir d'abri. Mais je viens de répondre. On a une suroccupation de l'enclos. Donc faire une maison dedans va être compliqué. Par contre, on peut retenir l'idée. Faudrait leur faire un marécage sinon. Ouais, non, bah la façon, c'est plus possible. C'est plus possible parce que si j'enlève l'eau là, je peux pas la remettre. Donc compliqué. Bon! Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo, on va continuer de peaufiner cet enclos dans la prochaine, même si on va pouvoir laisser en play, donc ça c'est positif. On va gérer un petit peu tout ce qui est bien-être et autres, parce qu'apparemment il y a quelques petits soucis. Le parc est parti en cacahuète, ils voient qu'on était focus sur l'enclos des crocos, et du coup ils ont essayé de gérer eux-mêmes les trucs, et ils savent pas faire sans nous. Donc ça c'est un problème. Donc on va voir zone d'accès du croco. De quoi zone d'accès du croco? Qu'est-ce qu'il y a zone d'accès du croco? Enfin, explique-moi ce qu'il y a, je verrai après. Ciao ciao YouTube, merci Twitch d'avoir été présent, Max Excalibiscus, Monsieur Joe, Tay Eternem, Apony, Wanted Diablo X, Nessendil que j'ai vu passer aussi. Merci beaucoup à vous, c'était Roll of Vikings sur Planet Zoo. Bisous à tous, bonne journée. Et encore une vidéo sur la construction, le peaufinage des crocodiles marins. Et après on pourra passer au dragon de Komodo, tout simplement. Allez, ciao, bisous et à la prochaine.